tes copines les chiennes de garde où j'ai un peu plus de mal, mais bon, après, c'est pour ça que je me... Non, je vais te parler, je suis absolument pas une chienne de garde. T'as déjà plus d'œil. Vas-y, parle. Pardon ? Hein ? Non, t'arrives pas à regarder, mais vas-y, essaie de regarder l'écran sans les yeux qui scintillent. C'est quoi ? Tu es en train de me foutre l'aile ? Moi, j'ai aucun problème avec toi, justement, j'étais la première à dire. J'ai même pas envie de le critiquer sur le physique. Mais non ! Et à quelle heure je suis une chaîne de guerre ? Tu me connais pour dire que je suis une chaîne de guerre ? Je vais le finir. Excuse-moi, moi, je te connais pas, je sais pas où t'es, je te connais pas. J'ai cru que je parlais à un avion de chasse, vu comment tu parles. T'es éclaté, mon pote, tu tailles tout le monde. Ouais, faut se regarder avant de parler des gens. Faut se regarder, faut se voir. Faut parler des gens, parce que t'es éclaté, hein. Faut pas se permettre de parler comme ça, qu'on est comme ça. Officiel, c'est ça ? La Mégère officielle, à droite ? La Mégère, elle est en merde, mon comparateur, moi je peux pas. Attendez les filles, tu veux tailler quoi ? Non, mais en fait, ce qu'ils recherchent. Mais c'est ça, on adore. Voilà, merci, Fana, pour te clash. C'est ça, t'as rien dans ta vie, t'as pas d'interaction. C'est ce qu'ils recherchent. Oh, la tête d'ailleurs, moi je suis trop contente de parler avec toi. Franchement, moi. Tu me prends pour une chaîne, écoute, j'aimerais pas voir la tête de ta mère, mais voilà, franchement, voilà, on va rester cordial. Moi, j'ai absolument rien contre toi. Je suis pas venue en parlant de ton verre et ta barre mal taillée. Voilà, bref. Et résidu de capote, tu remontes là, après on va enlever le live, on va enlever le cœur, on va le remettre, tu remontes, ok. On continue, petit résidu de capote en forme tournante. À tout de suite, bisous. Allez, on envoie la type crachat, bien sûr. On envoie tout le monde. On y va, là. Bien sûr. Mais bien sûr qu'on y va. Je suis tombé sur tes faux comptes. Ouais, attends, juste l'ai exclu. Pourquoi tu l'as exclu, sérieux? Putain, arrête. Et franchement, je vais t'enlever le rouge du live à Kelly. Je vais me permettre. Eh bah tu sais que je suis tombé sur tes faux comptes là. Oui, tout le monde est tombé sur tes faux comptes. Ouais, et j'ai eu que des propositions de plan cul. Arrête, alors je te rassure, c'était pas moi, justement. Je suis dégoûté, putain. Ah ouais, grave, c'était pas moi. Ouais, mais là, comme je te vois pour de vrai, moi je suis toujours pas. Champi. Les gars, j'ai une idée. J'ai une idée, mais c'est risqué. Hein. On s'arrête très rapidement, on brûle la voiture de flic, ils peuvent pas nous poursuivre, on se casse. T'es sérieux ? Ouais. Vas-y. Allez, go. Tu le fais ? C'est parti, c'est la grosse qu'il fait. Vas-y, je vous regarde. Allez, vas-y. Ah là, il faut y aller, les gars. Hein. Magnifique! Et doué! Oh putain de merde! Aïe! Courez! Ah putain, mais la voiture elle roule! Elle roule la voiture! Elle roule leur voiture! Merde, et y'a les flics devant! Oh putain, les cons! Allez! Oh, fais chier! Pied sur le champignon! Ah, mais là je fais que ça, ouais! Oh, c'est la merde! Mais non, ça va le faire! Putain, une molotov, ça suffit t'as pas! T'as vu la caisse? Là, t'aurais dû rentrer dans le motel. Il est où le motel? Oh merde. Il est là. Bah, on est foutu. Ah, ça va. Il là est où haut. Le motel? Là-haut. À droite et à gauche. Putain, c'est bon. Oh putain. La classe. Bah merde alors. Je pense qu'ils vont se faire arrêter les deux gars. Personne qui baise. Merde, vite fait. Ah, on m'appelle. C'est Pamela. On dit lui qu'on est à l'hôtel, mais. Allô. Ah bon? Nous, c'est bon, on vient d'arriver à l'hôtel.
On est bien. On se fait un petit thé ou un café, tu veux quoi? Un petit peu de champagne? Moi... Ah, un petit champagne, ça serait sympa. Merci. Non, non, il n'y a pas le plan. Oh, bah vas-y, tu viens. Ah oui, quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Mais bon, ça va aller. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont du monde sur le dos? Oh oui, ils sont poursuivis par une voiture. Ah merde. Non, mais on vient... Parce qu'on va protester pour qu'ils libèrent nos amis, là. Hop là. T'as ton accordéon? J'ai mon accordéon. Bon bah parfait, c'est ce qu'il nous faut. Libérez les syndicalistes! Libérez les syndicalistes! Libérez les syndicalistes! Les ultra-syndicalistes, libérez-les! Libérez-les! Oh, sortez, sortez! Oh, putain! Kenny! Tu t'arrêtes, fais pas le con, oui, j'ai pas envie de te tirer dessus. Oh putain. Tu te tournes. Attendez, je reprends mon souffle, c'est plus de mon âge. Putain, Jojo, tu... Putain, tu me fais chier. Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Et la justice alors? Ils sont encore en exercice, ces enculés. Comment on peut dire, la justice nique sa mère. Alors tu viens avec moi, je vais te montrer. Ça commence à bien commencer, Jojo, putain de merde. Qu'est-ce que tu fais? J'ai prévenu. Putain. Y'a personne qui nous écoute. Qu'on va foutre le feu. Ouais, bah tu fous le feu là, tu gâtes comment tu fous le feu à l'opéra. Putain, suis-moi. Suis-moi gauche, je vais... Oh putain, je vais l'enculer. Je vais l'enculer, si je vais l'enculer. Ça va pas ta tête, gosse, ça va pas, tu fous ta tête, ça va pas. Mais pourquoi ils sont pas embarqués, les autres, ils ont des fumes aussi. Eh non, ça va pas, non, ça va pas, non. J'ai dit qu'il y aurait des problèmes si les injustices, elles étaient pas réparées. Ah bah justement, plus tu fais ça, plus tu vas en avoir des... M'en fous. Comment ça s'appelle, monsieur? Putain. Ah, je suis actuellement avec un individu, Léo, je t'envoie Mia. Un individu, ouais. Mia, va l'aider. C'était juste une fumigène, hein. Ouais, une fumigène, ouais, c'est ça, une fumigène. Ouais, c'était une fumigène de stade. Ouais, mais bon, tu t'es cru dans un stade ici? T'as cru que c'était... Ouais, qu'on revendique qu'il faut bien qu'on se fasse voir, on est invisible quand on vient ici. Bah oui, bah là, on te voit bien, t'inquiète pas. Ah bah voilà. Super bien. Non, prénom. Jackie Jones. Par contre, Tom, t'évites de faire des beats avec des donuts et une télécommande. C'est pour moi, c'est bébé. D'accord, ok. On peut y aller, c'est bon. Qu'est-ce qu'ils font là, les deux oeuvres là? Fumigène, ça pique les yeux, mais c'est tout quoi. Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous ici, là? Putain. Mettez-vous ici contre le mur, s'il vous plaît, mon petit Jojo. Vous connaissez le monsieur là? Vous avez le droit de regarder, de toucher mes nichons, s'il vous plaît. Non, je vais fouiller. Jojo, comme on dit au quartier, c'est up. Comme ils disaient des gangsters. Ferme ta gueule, toi. Celui-ci. Ah, oula. Bah, allô. Ça pue pas l'amour, là. Qu'on nous écoute pas, qu'on en a gros. Il dit, mais pourquoi il grille? Eh, faut pas gueuler comme ça, Jojo. J'en ai gros, qu'il y a personne qui m'écoute. J'ai dit qu'on allait mettre le feu à la ville. Tout le monde, il s'en fout. J'en ai gros. Putain. Pardon. Il fait ça tout seul là. Ça va aller, Jojo. Bah, Jojo, qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Pour 2 dollars, je vous laisse toucher mes nichons. Hein. C'est sûr, ça, gosse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous pour que ça vous calme, je veux dire? Pas plus. De quoi? Pas plus. De quoi? J'ai pas entendu. Cellules, actuellement. Bah, non, je disais, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous que ça vous calme un peu là? Donc je veux que les membres de la justice ils démissionnent. Enculé, va. Ah, c'est tout? Oui, je veux que le boule il soit châtié, qu'il soit mis à pied. Et je veux récupérer l'argent du RSA pour le donner aux pauvres.
Oh là, on est pauvres, nous, on s'en fout un peu. Enfin, je veux dire, dans le. Ah, y a plus vous êtes pauvres, plus il y a de drogués, plus vous avez du travail, et moins vous pouvez vous branler les couilles dans les prisons à regarder des gros nichons à travers des cellules. En même temps, mettez-vous à ma place des minutes, sinon. Oh, salut, puis Champy, ça va? Oh, salut. Champy, coucou. Tu vas bien, mon petit Jojo, viens ici, le dernier casier ici qui est au bout, à droite. Oh putain. Tu prends la tenue dedans, tu mets toutes tes affaires dedans. Encore. Essaye pas de m'arnaquer avec un téléphone dans ton slibar, je vais vérifier. Voilà. Qui du fait coup, ça je peux vous laisser le temps, genre bah, tes collègues à l'intérieur là, ou derrière hein, qui sont. Oh, allez, ouais. Il faut que je me mette un avis là. Et puis Champy. Ouais, exactement. Mais qu'est-ce qu'il faut là, le journaliste? Fou à poil, tu peux garder. Et ouais, pourquoi il y a un putain de journaliste de merde là? Son journal, c'est un torchon là, qui est toujours en train de regarder de partout là. Allez, relève les mains là, je vais vérifier, je vais te palper. Connard, le vrai journal, c'est le FTG, FTC. Prenez le témoignage de ces dames là, non peut-être. Impeccable. Là c'est pas. On va te cramer toi aussi avec ton béret là. C'était pas le téléphone, c'était le culé. Allez viens. Enfin c'est quand même hostile là, ça suffit de voir ton brûlé comme ça. Ouais, mort aux vaches. Mort aux vaches. Dire ça aussi, qu'est-ce que vous. C'est pas qui on est. On a pris les voitures, on pourra brûler le monde et ta famille et ta. Si vous nous mettez ensemble, on ferait pas de bruit. Si vous nous mettez pas ensemble, on va faire du bruit. Ouais, c'est pas grave, vous ferez du bruit hein, parce qu'il y a pas de procureur, vous allez rester toute la nuit. Quoi? Comment ça toute la nuit? Et vous me suivez, monsieur? Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui, Kenny Wish là? Pilon, tu me suis. Il est en visite. Mais putain, tu savais ce que j'ai dans mon sac, bordel. Ah bah, mets vite dans le casier. Vous me suivez, monsieur? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, monsieur. Bah, t'avais qu'à savoir l'utiliser, mais... connard. Levez les mains. Oui, bien sûr. Oui, c'est normal de balancer des coups de canotte sur la police aussi, c'est normal. C'est autre chose. Mais je vous dis que l'assistant juridique du syndicat n'a pas eu le droit de venir un peu défendre les gens qui sont ici. Ça va aller, hein. Ah, mais là, il n'y a pas de syndicat qui marche ici, là, du coup. Mais c'est pas le syndicat, c'est l'assistant juridique. Oh non, Nagro ! Oui, bah tournez-vous, on en parlera après, du coup. J'aimerais bien vous fouiller, puis on va en parler après. Arrête de te balader avec des briquets, des vieux torchons et des alcools sur toi, toi aussi. C'est vrai? Ah, bah oui, parce que apparemment. Là, je peux dire, j'aurais pu. Vous avez pas été fouillé encore? Bah, ici, qu'est-ce que je vous racontez? Ah, bah, cocktail Molotov, du coup. Bah, je sais pas, on me dit, il faut que je vous fouille. Ah, bon, si vous voulez, j'ai rien, moi. C'est parti comme des mecs de prison. Merci. Vos collègues, ils m'ont pas fouillé, vous croyez pas que j'aurais pu faire craper tout ça? Super. C'est tout bon. Je vous laisse rentrer, du coup. C'est pas con. Je peux rentrer? Non, dans la salle. Mais j'y suis là. On t'aurait cassé les rotules. Non, mais dedans, je peux s'en aller. Hein? Ah, un nom de code et après, je comprends pas. Ah oui, ok, je viens de comprendre. Ouais, ça met du temps, hein. Ouais. On voit pas tous la même chose. Ouais, c'est sûrement que vous consommez un peu dans les stocks, je pense. Hein. Ah ouais, non, on va pas vous jeter la pierre, hein, c'est gratuit. Mais dans ta poche, comme on dit. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait, Kenny, là? C'est qui, Kenny? Le connard qui ressemble à Kenny Wish là-bas. T'es musclé, hein. Ouais, tu trouves. Oh non, on a un gros. Oh non, on a un gros. Non, non, on a un gros. Oh non, on a un gros. Oh non, on a un gros. Non, non, on a un gros. Oh 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 non, on a un gros. Merde. T'es pas vrai, qu'est-ce qu'il y a de gueuler comme ça là? Mais qu'on en a gros! Et si vous dites qu'on comprend pas quand on parle, il faut qu'on. On prend des fumigènes, on finit en prison maintenant! Celle-là là! On va emprisonner tous les joueurs de foot, les supporters de foot aussi, non? Ouais, enfin les fumigènes qui brûlent, petit bonhomme, fallait s'y attendre. Ah non, moi c'était un fumigène que j'avais rien à voir avec la journée. C'est que c'est connerie. Tranquille! Vous voulez la démission du. Quoi? Connard de boule. Connard de boule. Ouais! Qu'est-ce qu'il a fait lui? Lui? C'est une astuce. Oh, lisez la presse, qu'on a fait un article là-dessus. À cause de lui, c'est un parti politique adverse du gouvernement. Il a fait un concours de quéquettes avec le gouverneur. Et du coup, il a mis tout un plan qui faisait que les pauvres, ils allaient avoir des sous. Et que les gens, ils allaient pas mourir. Et il a fait tuer un monsieur qui devait être libéré. C'est enculé. Et donc, du coup, vous avez pas de. Quoi? Vous avez des sous? Ouais, on veut que les pauvres, ils aient de l'argent. Ouais, un revenu minimal fisc, ouais. Sans travailler. Ouais. Comment ça, sans travailler, qu'est-ce que c'est que cette idée? Eh bah oui, bon monsieur, c'est une nouvelle ère maintenant, une nouvelle ère mondiale. Les gens, ils ont le droit de pas forcément se péter la santé pour avoir un minimum et pouvoir au moins s'acheter liberté des casse-croûtes. Liberté aux pauvres, ouais. Et à tous ceux qui ont le sida. Et je vais même aller plus loin. Si je vois un putain de riche maintenant, à chaque fois, tous les jours, je lui cramerai sa voiture. Que j'ai cramé la voiture du Don, là, à l'instant, juste avant de venir. Et s'il faut, je recommencerai. Libère.
Ouais, mais voler-la plutôt que la cramer, c'est complètement con. Qu'est-ce que non, parce que c'est de l'argent qui allait à la police et pas aux pauvres. Je comprends rien du tout. Bon, après, moi, je suis cadet, hein, pour vous mentir, vous pouvez me dire. Enfin, hein. Oui. J'en ai gros. C'est de là, quoi. Oui, à peu près, quoi. Vous voyez la casquette? Bon, ça veut tout dire, non? Il me semble. Quand elle a apporté ça, je vais te dire, tu vas pas changer les lois. Hein. Mais enfin, moi, j'entends ce que vous me dites, quoi. Sinon, ce qu'on peut faire, moi, je récupère l'argent du RSA, je vous donne 10%, vous me laissez sortir et on n'en parle plus, ça reste entre nous. Bah, mais vous venez de me dire que l'argent du RSA, ça a été perdu avec... Mais que j'ai un plan pour le récupérer, que j'en ai gros, mais qu'avant, il faut que je foute le merde, parce que sinon, personne ne m'écoute. Mais il est où, le plan du RSA, là? Le pognon, là, je veux dire. Bah, le pognon, il était dans des mallettes d'un connard de portoricain. Et ce portoricain, il est mort, et dans les mallettes, il y avait de l'encre, et du coup, l'encre, il a giclé sur les papiers à dollars, là, et que du coup, il n'y en a plus. Pas la récupérer, qu'est-ce que vous racontez ? Oui, mais qu'on a un plan pour quand même qu'il en récupère. Un autre pognon, qui va permettre ça. Mais après, je vais me faire niquer, c'est la première fois. Mais non, regardez, c'est simple. Si tous les syndicalistes et tous les gens qui sont censés cramer la ville pendant les 5 prochains jours... Attends, répétez-moi ça, là. Si tous les gens... Ouais. Qui sont censés cramer la ville dans durant les 5 prochains jours et mettre la feu. Ça cramer la ville. Oh, c'est prévu. C'est que nous, on avait dit qu'on le ferait. On a même prévu la police qui est venue chez nous. On leur a dit. S'il n'y a pas ça, on le fait. Hein? Mais laissez-nous le temps que les dossiers remontent aussi. Que... Ça a déjà été remonté. C'est un truc qui date de 2 semaines. Qu'est-ce que vous racontez? Bah oui, mais enfin, il y a eu quand même. Pas les couilles. Oui. Oh. Hein? On en a gros. De toute façon, je veux rien savoir. Moi, je vous explique. Attendez, oui. Quoi? Si demain. On m'écoute là? Oh putain, il... ouais. Attention, c'est le chef. Hop, bon, c'est le chef. Vu qu'il n'y a pas de procureur ce soir, comme j'ai dit à vos collègues, vous allez rester en cellule toute la nuit jusqu'à demain. Par contre, ça, c'est moche. Hein. Vous pouvez pas nous faire un petit ticket? Ça va bien. Je lui ai mis un bracelet, j'en sais rien. Ouais, ça se met pas le bracelet. Le bracelet, c'est le procureur qui décide qu'on met un bracelet ou pas. Chef. Chef, oui, donc chef. Du coup, on va vous souhaiter une bonne soirée, messieurs. Vous allez bien vous reposer jusqu'à demain, votre interrogatoire, etc. Ouais, ça, je désolé, fait, on peut moi. Pas faire autrement. Je c'est voilà la limite d'une vraie justice, les gars. Mais, c'est de la merde. J'ai envie de vous c'est dire, punitif. Fallait pas faire de conneries. Bah, et pourquoi vous ne filez pas un petit ticket pour qu'on passe bon pour un passage chez le procureur à telle heure? Ben bah, ouais, c'est peut-être plus simple de toute façon. Nous, on y va. Ouais, non, mais c'est plus simple de rester en garde à vue pendant 24 heures. C'est trop facile. Ah bah c'est ça, ça donne envie de vous amener des scènes plusieurs fois, du coup. Parce que c'est pour rester dans une cage après. Bah... On peut rester dans le quartier et rien faire. Hein. On vous souhaite une excellente soirée, les petits gars. Oh là là, à demain. Qu'est-ce que c'est nul. Mais non, faites pour ça, les gars. Tout à l'heure. Tu vas te faire engueuler, c'est sûr. Non, j'ai envie de te bouffer la glotte. Ah bah, quoi je vais m'écarter. Qu'est-ce que vous allez prendre? Pourquoi c'est triste? Moi, j'en ai rien fait, nous. Du coup, c'est plus fil en commun ou. Ouais, c'est bon, le gouverneur, il va nous faire sortir ici, fis ça. Ouais, ah avec bon les excuses de la police. Messieurs, ouais. Vous avez aussi un coup de fil à passer ou pas? Bon, un fumigène, vous déconnez, les gars. Oh là là, viens avec moi, toi, j'ai besoin d'un petit câlin. Là. J'ai tué Pamela. Quoi? Oula, oula. Mais non, fais pas la conne, Bucket. Oula, on a quelqu'un d'inconscient là. Jambier, t'appelles les gens? Ah, j'ai vu ça dans les films. Qu'est-ce qu'il est con? Mais en fait. Oui. Comme ça pourrait y avoir. Merde, j'en peux plus. C'est bon, on va sortir, les mecs. On a trouvé une stratégie. On va sortir, hein, là, c'est sûr. Le mur derrière nous, il va exploser. On va y aller. Hein. C'est parti. Ouais, écartez-vous un peu des murs, les mecs. Hein. Les explosifs arrivent, ouais. Oh putain. Pamela, t'es morte. Ah oui, mais ça, c'est le principe de l'évasion spectaculaire. Hein. Ça fait partie du plan de Pamela, hein, Pamela. Hein, Pamela. Nous donner votre plan, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Ah bah, je m'en fous, vu qu'il est déjà mort. C'est peut-être le plan Pamela, enfin, c'est le plan de Pamela, après tout. Alors, Pamela, pour l'instant, il est en train de baver sur le matelas. Il est pas mais très ça fait partie hein. Du plan. Hé hey, on dit elle, hein, un peu de respect pour les personnes LGBTQ+++, hein. Mais il y a combien de plus chez eux? On dit quoi, pardon, excusez-moi. On dit elle, Elle ouais. Oui, mais est-ce que ah bah. J'ai mes genres ah bah, ouais, elle est genrée femme, ouais. Je sais même d'accord, plus. D'accord, très alors, bien. Fait, nous. Alors qu'on aurait pu faire quelque chose, rien, on l'a pas fait. Pamela. Vous devrez nous remercier. Veuillez m'excuser, madame. De toute façon, dont tu fais jamais rien. Mais putain, mais je te dis, déjà, c'est compliqué pour moi. Casse cool. Hey, toi. Mais non, mais arrête. Tu peux toucher mes nichons pour 5$ si tu veux. Quoi? Ouais, et l'autre, il peut regarder pour 15$. Une réduction là. 5$? Ouais, pour 5$. Ouais, tu peux sucer mon pote pendant que je t'encule pour 15$. C'est toi qui les donnes ou c'est moi? Bah, c'est toi qui me les donnes. Ah,
mais là ça va être difficile, je te les donne après. Bon allez, vas-y. Hein. Lequel, le gauche ou le droite? N'importe. Attends, moi je suis quelqu'un de gauche. Ah bah vas-y. Attends, note dans ton carnet d'adresse. Hein. Alors attends, je touche ton gauche à toi, mais c'est mon droite à moi. Au secours, il essaye de me toucher. Hein. Oh là là, les yeux des médecins. Oh là 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 là. Le prix va. Ouais, il est c'est moche. Les gestions sexuelles dans les cellules. Ah ouais, là, voilà. Bucket lives better. Bucket lives better. Oh là là, gros. Bon, ça va, c'est bon, passez une bonne soirée. Bon, ça va, ça va. Ils sont gentils, les messieurs, donc dames, ça va. On est collaboratifs. Et bonsoir. Ah bah c'est moi, il est rentré. Je m'en prie dans. Il y avait pas accès. Quoi par exemple? C'est bon? Ah. Ah bah c'est mal hein, si elle s'est fait taper. Je... Bon, on va vous laisser du coup. Ah bah super, allons-y. Oh, merci de votre travail incroyable, messieurs les médecins. Bah, bonne question. Bah, avec plaisir, hein, messieurs. Bon, du coup, on charcon alors. Excusez-moi, merci, messieurs, bah, c'était un peu sonnerre. Attendez, mais monsieur, avec le gilet pas-bas. Monsieur le gouvernant. Monsieur le gouvernante. Oh, monsieur le médecin, j'aimerais bien un médecin en fait, ça vous dérange pas. Je suis monsieur le gouvernant. Non, mais je suis un peu con. Ah, bonjour, le bucket. Ouais, il y a un agent qui a essayé de me toucher là. Ça valait. Ouais. Oui. Tant mieux. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce que vous branlez là, vous? Ouais, on a voulu manifester qu'on en avait gros encore pour cette histoire devant le commissariat, que j'avais pris mes meilleurs fumigènes de protestation du syndicat, quoi. Voilà. Et qu'ils ont pris ça pour un attentat qu'ils m'ont mis en prison jusqu'à demain. Ouais. En prison? Mais il y a le procureur? Non. Non. Bah, ils peuvent pas vous mettre en prison, du coup. Mais ils veulent me laisser croupir là pour la nuit. Je veux pas faire de bioso ici, bah non, ça pue la pisse. Vous allez sortir. Bon, attendez, je bougez pas. Oui. Ah, bonjour. Ah, on a le bras long, ouais. Ouais, tu demanderas à ta copine, je la fais parler par le cul. Ça marche, t'as taillé. Ils ont fait quoi, là, monsieur? En fait, il y a une règle, normalement, c'est que personne ne reste en prison. Donc des gens ou des véhicules, c'est pas pareil. Non, pas du tout. Franzin, ça aide le sorteur. Mais vous êtes malade. Ah bah ça va. Et en même temps, est-ce que tu peux le sortir de la... De comment dire? Voilà. C'est excellent, c'est ça. Ça c'est faux. Vous avez pas une c'est musique parfait. De supporter là, en cassette là? Bon, oh, merde. C'est ça le faux. Oh le bras. Ça s'est arraché le bras. Ah, c'est incroyable ça, dis donc. Oh ouais? Quand même pas mal. C'est pas mal, ouais. C'est pas vraiment un champ d'ultra ça. Ah là, le cerveau de jeu. Ah bah, je suis désolé, j'ai que ça. Oh bah, pourquoi il y a deux voitures comme ça abandonnées nulle part? Bah, qu'est-ce qu'il y a? Bah, je sais pas. Oh, tu reconnais cette voiture? Ah non, ça va pas, oui. Hein. Moi, je la reconnais cette voiture. C'est du proc. Oh, oui. Le proc lequel? Le gentil, je crois. Le Uber. En tout cas, il nous a évité. Mais attends, c'est quoi toutes ces voitures abandonnées à gauche à droite? Vous voyez pas? Ah mais attends. Il y a du monde. Mort aux vaches. Mort aux vaches. Oula. Mort aux vaches. Oula oula oula. Bah, qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes énervé? On règle un problème là. Ah ouais, ok, bah, bon problème et mort aux vaches. Ouais, merci. Ah putain. Merci pour les feux d'actifs. On va tomber. Putain. Mort aux vaches. Mort aux vaches. Ils sont sympas. C'est la voiture verte. Pourquoi tout le monde nous aime bien comme ça, sauf la justice? Bah, t'as vu, ils allaient au parking, la justice, là. Ouais, ça m'aurait bien que ça fasse tabasser. Bah, la voiture qu'on a vue, c'était pas la justice, là, qui rentrait au parking, là. C'est pas ça, c'est à l'instant. Peu importe, je peux... Comment ça va, Nemesis? Ça me fait tellement plaisir de te voir. Comment ça va, Mac? Il me semblait que c'était la voiture de Bouboule, hein. Ah oui? Oui, il me semble.
Mort aux vaches. Mort aux vaches. Mort aux vaches. Mort aux vaches. Putain, hey. Mais... vous allez pas recommencer. Eh non, ça va là, oh, eh, oh, on est dans la voiture. On a un million et allez au. Eh faites attention, il va vous cramer le cul. Ouais, il va rien caramer du tout, putain, mais arrêtez voir vos conneries, nom de Dieu, de bordel de mais merde. Mais on est dans la voiture, oh, on dégrade rien. Allez vous coucher, nom de Dieu. Mais on était en rendez-vous syndicaliste. Oh putain, eh. Quoi? T'as pas tourné dans Astérix, toi, derrière, gosse? Non, je vous avais pas vu le bon, l'autre Astérix, putain, il est parti. Partout malédixme, incroyable. Enchanté de vous connaître. J'ai mal au pubis. Bon, allez, vous me rongez vos fumigènes, là, on n'est pas dans un stade de football américain, merci. Et puis on circule, comme vous avez bien quand je dis ça. On ouais, circule. Allez, on circule. Allez, mort aux vaches. Mort aux vaches. Putain. Vous en avez pas derrière? Non, on en a pas. Bah non. Attends, j'en ai en rab. Je vais dans la caisse. Oula. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez pas entendu tirer, hein? Non. Il vient d'avoir des coups de feu, là. Ah oui? Ah oui, je vous assure. Bah eux, tu vois, ils sont pas comme nous. Eux, ils crament une voiture à 1h du matin, quoi. Je crois que ça venait de ah oui. quelque part à droite. Ah bah, putain, ouais, c'est bah ici, avis, hein. C'est là. Ça lui tient en l'air. Mais... Quoi, c'est la voiture? Mais il était pas comme ça quand on est passé tout à l'heure, non? Hein? De quoi? Le 4x4. Quel 4x4? Le 4x4 là, ici, devant moi? Là. Là, là, je... là, ce 4x4 ouais. là. Bah, je le vois pas, moi. Hein. Non, je prends trop pas. De drogue, ouais. Bah là, il y a un 4x4 sur le dos, ouais. Et devant, vous voyez la voiture en plein milieu de la route, là? Non, non pas de, du tout. Attendez, vous foutez de qu'est-ce t'as pris, Jojo? Non, du tout. Attendez. Je suis défoncé ou quoi? Tu t'es drogué, hein. Hey, ils ont 10 minutes. Là, ils ont 10 minutes. J'ai pas perdu oui, le temps. Oui, ils vont me rappeler vite. Hein. What? Oula. C'est-à-dire que ces voitures... Oh, je suis encore défoncé, les gars. Désolé, elle était au milieu de la route, là-bas. Ma voiture... Oh, je suis... Je suis défoncé, les gars. Désolé. Oh, putain. Non, non, pas de problème. Vas-y, faites-le bouger. Faites-le bouger. Putain. Allez, Gary, il fait son timide, il veut pas rouler tout seul. Ouais, mais comment tu veux qu'il roule pas tout seul? Ah, bah, on est pas. Il peut pas monter dedans. Là, j'ai perdu ma fusée, moi. Ah bon? Elle est où? Je sais pas, j'ai dû la faire tomber. Oh, le con, ouais. Je la tenais dans la main, j'ai levé les bras en l'air et hop, elle m'a glissé des doigts. Ah, ouais, mais faut pas faire ça. Par contre, il va nous fumer sur la route. Et attends, l'empereur, elle est où? Ouais, elle est lente. Ah oui. Derrière là-bas ça fume. Oui. Ouais, c'est un peu moyen non de prendre les voitures avec le use bug en vrai. Sinon j'ai ça hein, mais c'est dangereux. Mais bon ouais c'est pas terrible mais ouais ça marche aussi hein. Ah, faut vite pas le lâcher, la bouteille. Faut pas le lâcher. T'auras plus de restaurant. Non mais on va ni la faire cramer ni voir ce qu'il y a dans le coffre, on en profite un petit peu et puis on va la redéposer. On va pas non plus faire du usbug. On va voir chez Duff et après on ira au route 68. Du coup il y a plus que le pinard où les connards travaillent. Oui c'est ça. Alors. Ouais. Les autres ils arrivent. Y a pas de moto hein. Il n'y a pas de moto, monsieur Duff. Hein. Putain, c'est fort dommage. Vous avez pas un petit truc à balancer là, sur la bonbonne de gaz, là, par exemple? Mais c'est un beau feu d'artifice invisible depuis la ville. Hein. Ah oui? Oh, bah, vous savez. Oui. Hein. Oh, bah, c'est sûr. Hein. Mais moi, ces gens-là, j'ai pas de problème avec eux. Je vais pas tout faire péter comme ça. Il faut que je discute avec eux avant. Ah bah, c'est pour ça. Donnez-moi un joujou, je tire dedans, je vous le rends. Mais non, mais ça se passe pas comme ça, monsieur Duff. Dites pas n'importe quoi. On fait pas cramer des trucs comme ça. Moi, ils vous ont fait quoi, ces gens-là? Oh, vous savez, ils m'ont fait beaucoup. Hein. Bah, allez-y, dites-moi. Ah, mais pourquoi vous en avez jamais parlé?
Mais pourquoi on n'a jamais parlé? Parce qu'il n'y avait pas besoin d'en parler jusqu'à présent. Bah si, vous en faites beaucoup. Mais en gros, vous savez, dimanche là, j'ai fait ma fête là. Oui. À la ferme, il y a eu des coups de feu. Oui. Oui. Bah voilà. Hier, je me suis fait braquer. C'était eux. Eh ben voilà. Tout ça parce que ces mecs-là, ils sont pas malins et que je les ai captés à 30 km à la ronde. Bah oui, mais bon. Ces gens-là, ils peuvent vous ôter la vie en deux secondes. C'est des dangereux malades. Enfin, c'est des criminels, monsieur. Hein. Ouais, c'est pas faux, ouais. Bah vous avez peut-être raison, je vais essayer de me calmer. Bah oui, calmez-vous. Et puis, nous, on peut un peu agir pour les faire chier, vous voyez ce que je veux dire. Bah ça, ouais, ça mais fermez pas votre entreprise. Ce qu'on va faire, c'est que. Ah, si, non, mais ça c'est tout vu. L'entreprise est terminée. Ah, ouais, vous en voulez plus? Ah, non, c'est bon, j'ai plus envie de me casser la tête avec ça. Ok, bah très bien. Ça m'a tiré plus d'emmerde que ça m'a porté du bien. Donc. Ouais, mais bon, monsieur Duff, la vie est pas facile hein, pour tout le monde. Ah, je sais bien. Bon, allez, moi je vais faire réparer ma jante parce que je roule un peu avec un pneu en moins là. Ouais, c'est un peu chiant, hein. Ouais, donnez-moi au courant, appelez-moi si vous avez un problème encore avec ça. Ouais, y'a pas de soucis. Moi je vais essayer d'arranger ça. Ça marche, et bah force à vous, les petits gars. Ouais. Ouais. Ah, pas l'enchaîne. Ah, il en a gros aussi, hein. Ah, lui, ouais, il en a gros, ouais. Mais après, il en a gros, mais si son seul défense c'est vouloir se faire justice lui-même, il va pas aller bien loin, quoi. Ah, bah, il fera 2 mètres, quoi. Ouais, et puis c'est pas comme ça qu'on résout les conflits, il faut déjà qu'on en discute. Et tout ça, quoi. Oh, vous avez dit que vous aviez envie de brûler des voitures? Non, j'ai pas dit que j'avais envie de brûler des voitures. Ah, c'est ce qu'on a entendu, hein. Ah, moi j'ai entendu ça. Moi aussi. Ah ouais, vous étiez d'accord avec nous. Écoutez, messieurs, dames, je crois que malheureusement, vous avez mal entendu. Hein. Ah bon, ah non, au moins, si vous avez pas envie de brûler des voitures, vous voulez peut-être vous syndiquer, monsieur. Désolé, alors. Il y a mépris, alors. Ah oui, il y a mépris. 34 mois, prenez-en de la graine, messieurs, dames. Mais comme je dis, 34 mois, dans 2 mois, c'est 3 ans. Vous permettez bien, quoi. Enfin, 2 mois, monsieur, vous êtes chef d'entreprise. Bah oui, voilà, faut faire un choix, monsieur. Bah, tu vas suivre, tu vas faire comme eux. Faut syndiquer vos employés, de toute façon. J'ai pas d'employés. Bah, justement. Un travailleur syndiqué, il se fait pas niquer. Ouais, il est plus là, votre le mec qui bosse avec vous, là, le mythomane. Gontran ? Ouais. Le Gontran, ça fait un petit moment que je me l'ai pas. C'est à l'aube de Gontran, ouais. Après, je sais que vous et Gontran, vous avez des différents, mais ça ne me regarde pas. Bah, si on le trouve, celui-là. Ouais, c'est pour les différents, on a été gentil avec lui, il nous a enculé 1, 2, 3, 4 fois. À chaque fois. Un enculeur de première. Hein. Moi, jusque-là, je n'ai rien à dire. C'est un enculeur en série. Ouais. Ouais. C'est pas que ça me dérange, mais bon, quand même. Mais ça vous regarde, c'est vous et Gontran, je peux rien y faire. Hein. Oh oui, j'aurais s'il travaille plus chez vous. Oh, c'est surtout Gontran. Pour éviter de refaire ses torts, vous voulez peut-être vous syndiquer, monsieur. Comment? Pour éviter de refaire les conneries qu'il a fait, peut-être que vous voulez vous syndiquer, du coup. Ça, qu'est-ce que... Dites-moi, vantez-moi un peu les côtés positifs et négatifs d'être syndiqué. Voilà, là, on discute. Dites-moi, peut-être que vous allez pouvoir m'intéresser, je vous avoue que pour l'instant, rien ne m'intéresse. Mais peut-être que vous avez, peut-être avec un peu de persuasion... C'est de convaincre les gens qui ont déjà des a priori, qui veulent pas, c'est bon. Ouais. Bah, vous êtes d'accord sur les idées ou pas? L'engagement, ça compte. Bah justement, c'est quoi les idées? Dites-moi. Vous avez dit que vous étiez d'accord avec. Ah oui, j'étais d'accord avec le RSA, c'est légitime. Après, on lutte pour les travailleurs. Oui, mais c'est bien les travailleurs, mais je vous avoue que moi je travaille, je travaille pour pas gagner beaucoup. Oh bah que nous on travaille exactement. Donc même moi si je suis un peu nerveux et que je pars en quart de tour de temps en temps, bah des fois je sais me remettre un petit peu. Ouais, on sait chercher aussi, t'inquiète pas. Ouais, ça va. Ouais, clairement on sait chercher. Ça, tous les deux on le sait très bien. Donc bon. Mais dans tous les cas, non, moi si tu me proposes de foutre le bordel, je suis pour. Peu importe ce que je prends, j'en ai rien à foutre parce que là les flics commencent sérieusement à me faire serrer un peu trop fort du cul. Moi j'ai même envie de dire, le but c'est de se faire choper. Ah bah écoute, moi y a pas de souci avec ça. Franchement, parce que si on se fait. Oh putain, qu'ils sont au fond, quoi. Si on se fait tous choper, ah bah elle est sortie de prison. Oui, on a de l'ambiance ici. Ah bah ça va, elle a pas eu 10 ans du coup. Bah je pense. Ouais, mais non, mais ils ont délégué le dossier parce que apparemment le juge a été démis de son truc, ouais. Ouais, ok. Et c'est quel proc qui s'est occupé de ça? Le boule-boule, celui qui a piqué la caisse, qui a fait tuer le Don, etc. Ouais, le même, ouais. Attends, parce que c'est celui avec les cheveux frisés? Ouais, le juif, ouais. Ah ouais, c'est celui-là? Mais attends.
Ouais, non, c'est lui, mais il y a pire. Il s'est fait passer pour un mec qui était, comment dire, assez laxiste sur les peines et qui faisait en considération, etc. En fait, je t'explique. Il est membre d'un parti politique, il allait faire sa politique à droite à gauche dans les entreprises. Et il est opposant au gouvernement. Donc en fait, dès qu'il y a un truc qui fait chier le gouvernant, peu importe qui est en face de lui, il va mettre des peines pour faire chier le gouvernant, mais peu importe qui est en face de lui et peu importe ce que le mec prend en face. C'est un sacré digne enculé, quoi. Ben, tu peux le dire, ouais. Nous, on se bat contre les dignes enculés comme ça. Et d'autre part, t'as les deux autres Pink Floyd. Il y en a un autre, là, le pro qui a l'air pas trop mal. Mais il y en a un autre, son délire, c'est de nous rentrer dedans en voiture et de pas s'arrêter. Cet enculé, on peut pas le choper, quoi. Justement, ah, il y a juste la remorque. Il y a des assurances. Ouais, après, si on s'arrange pour que, oups, il y en ait un qui se fasse choper sur la route au moment où il fait une livraison. Sinon, après, il a juste la remorque et on fait péter la remorque. Oui, bah c'est ça. Dans tous les cas, c'est que la remorque qu'il faut faire péter le... Ouais, bah oui, le camion, on s'en fout. Oui, oui, le reste, faut leur laisser. Mais bon, la remorque, je sais pas si ça coûte bonbon ou pas, quoi. Mais dans tous les cas, je pense que ça peut faire un vrai joli feu d'artifice. Pire, ça montera le prix de l'essence et tout le monde se soulèvera encore plus. Aussi. Enfin, voilà, si c'était une idée comme ça, mais... Putain, c'est pas wow. Ça raconte avec le capitaine. Elle a cabré en Y et la conne, et putain. Elle a du sur sacrément. Ça lui a fait de l'effet. Bon, elle est solide. Tout ce qu'elle se prend dans la gueule, je vais vous dire. Ouais. Ça a dû être éprouvant, hein, son passage au commissariat pour pointer, en tout cas. Enfin bon, les gars, bah écoutez, on se redit à demain. Ouais, on y réfléchit à tout ça. Vous m'appelez pour me prévenir et puis on s'organise, ok. Allez, ça roule. Bonne soirée, monsieur Bourbon. Bon, allez, bonne soirée à vous. Ouais, bonne soirée. Allez, Bourbon. Ah, ils ont pas. Ah, ils ont putain, pas eu l'inspiration là. Et vous déconnez, les mecs. Ouais, la caisse. Il y a un jerrycan dans le coffre. Là. Ah, bah, mais c'est le jerrycan. On est en train du bus depuis longtemps. Bah, j'ai dit qu'on avait un jerrycan, voire deux, mais qu'on savait pas. Ah, oui, mais je l'ai jamais trouvé. Bah, là, tu as trouvé. Ah, bah, et voilà. Tomé, t'en avais pas un. Et on ira dans un jerrycan, c'était là. Ouais, c'était la tienne alors. Qu'on ira remplir le jerrycan. Ah, mais c'est Tommy. Ah, oh, vous cassez les couilles. Ouais, tiens, je crois que c'est Gary. Gary, c'est Gary. C'est Gary. Ah, merde. Bah oui. Ah, je sais pas. J'ai des numéros des mecs du garage. Je vais voir combien ils sont. Est-ce qu'on n'est pas un peu encerclé là? Encerclé de quoi? De Pierre à côté. Bonjour. Les gars. Ah, détendez bien. Bonjour, Gary. Bonjour. Après, viens de Gary. Ça allait bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Salut. On avait une petite réunion syndicale. Ah oui? Vous avez entendu du bruit, vous êtes venu? Ouais, non, on vous a surtout dit quelque chose, c'est pour ça qu'on est venu, ouais. On vous a dit quoi? Pas plus. Ouais. On cherche quelqu'un qui est plutôt une personne de couleur de peau foncée avec les cheveux de feu. Une femme. Ouais, ça vous parle? Ah, ça c'est vous parle? Sonic. Regardez, Gary, et c'est Sonic, elle, la déesse Douchka. De quoi, la déesse, elle est pas là. Ouais, elle a été détruite pendant le gros boom, elle est en train de se reformer. Alors, elle a une perruque ou pas, votre déesse? Quoi? Est-ce qu'elle se balade avec une perruque, votre déesse? Bien sûr que non, elle a une forme, comment dire, c'est on ne bon, peut, pas, pas, la... Là, on peut pas la voir. Ah oui, bon, là vous la voyez, voilà. Pamela. Là on la voit bien, on peut même la toucher pour pas de la louper, Pamela. Ouais, son maquillage, son jogging et sa perruque, la nuit tu la vois pas. C'est moi qui te le dis. Mais allez vous faire foutre, les gars, je me sens une déesse. C'est moi la déesse, Douchka, ok? C'est moi. Ok, c'est moi, écoutez pas ces avortous, hein. Ah ouais, c'est la impostrice, là. C'est bio, Pamela. La grande déesse. Ouais, je vous emmerde, ouais, je vous emmerde, ouais, tous autant que vous êtes. Écoutez, il y a une méthode simple pour voir si vous êtes la vraie déesse Douchka. Ouais. On fait un grand brasier, on vous fout dedans. Si vous renaissez de vos cendres, comme la prophétie l'a annoncé, alors vous êtes la vraie déesse. Ah, elle a déjà explosé à côté d'une voiture, ça j'ai vu. Ah ouais, regardez, on s'est fait souffler par les c'est vrai, on a des photos en plus. C'est vrai. On va organiser un grand brasier. Bah, ça tombe bien, mardi on fait ça. Bah ouais, on fait ça mardi d'ailleurs. Vous voulez participer? Ah si, ça va être bien. On va mettre votre Pamela au milieu. Oui. C'est qui le monsieur là-bas à droite là? C'est à vous ça? Boucha. Là-bas là. Qu'est-ce qu'il fout là lui? C'est Jojo. Mais putain, ça fait partie de nos. Non, il est là, Jojo. Comment ça, c'est Jojo? C'est moi, Jojo. Il est là. Ah, j'ai un ami. Ouais, mais c'est Jojo. Bonjour, c'est moi, Jojo. Encore une histoire d'usurpation. Putain, mais il y a encore deux Jojo de Gary. C'est quoi cette histoire? Il y a deux DS. Non, non, il y a pas de DS, il y en a que. Il y a Gary et Gary. C'est très grave ce que vous faites. Ouais, Gary et Gary. Très grave.
Si vous recommencez, la déesse vous châtiera. Bah, elle a rien fait, oh, et au pire, brûlez Pamela. On devrait. Vous faites ça mardi, hein, comme vous avez dit. Mais non, mais faut pas brûler Pamela mardi, il faut brûler la ville. Mais oui, mais avec Pamela dedans. Dans une voiture. Pourquoi Pamela? Parce que Pamela, elle dit qu'elle est la grande déesse. Mais c'est pas elle qui a dit ça, c'est notre con derrière, là, le Pink Floyd qui bégaye, là. C'est à eux, là? Ouais. C'est qui ces mecs, d'ailleurs? Mais les craquettes de l'actuellement. Ah oui, non, mais hop, elle s'est défoncée en cellule. Vous croyez à Miss? Non, c'est Aranus. Ah oui. Ouais. Ouais, bon, bah, messieurs de la syndication syndicale, je vous souhaite une bonne soirée à vous. Oui, ouais, oui, bah, oui. Toi aussi, ouais. Ouais, attention à vous, et papy, un grand plaisir de t'avoir revu. Ouais, pareil, vous voulez. Fais attention à toi. Ah, bonne soirée, prochaine. Calme-toi, Pamela. Tu te sens pas agressé, Pamela, hein? Oh là là! Ouais, t'as l'apto le cul dans la flotte, ça va. On fait quoi là? Je sais pas, on s'encule, je pense. Bah, du coup, vous étiez vachement stylé et l'ambiance allait vachement plombée, du coup. On a rien fait de. Comment ça, l'ambiance elle est plombée parce que toi, trop de cul, on vient te proposer un boulot et tu nous ramènes toute la ville, abruti. Ouais. Bref, t'as fait tomber ton cigare. Je me rapproche pour parler, mais. Ouais. Nous de base, on a juste dit parce que c'est eux qui nous ont parlé de la déesse Dushka. Et après, la jolie demoiselle, elle nous a dit que c'était elle la déesse Dushka. Du coup, nous, on s'est empressé d'aller leur dire, quoi, normal. Ouais. Qu'on a rencontré la vraie déesse Dushka. Et du coup, ils voulaient la voir eux aussi, c'est tout. Ouais. Donc, on est là pour rigoler, de parler de la déesse, etc. Il y a des problèmes plus graves. Hein. Comment ça que la déesse Dushka? Oui, bien plus grave, oui. Il n'y a pas plus important que la déesse Dushka, hein. Ils ont prévu qui décide d'éradiquer les Noirs et les Asiatiques de la ville sous 48 heures. Pardon? Il y a déjà? Tant qu'on aura la déesse Dushka avec nous, à nos côtés, tout ira bien. Exactement. Ouais, bon, c'est vrai. Qui c'est qui veut faire? Oui, qu'on a d'autres problèmes que de savoir qui c'est. Le plus gros but, c'est de tout cramer. Ouais, il faut tout brûler. Ouais, ça c'est bien vrai aussi, ça, ouais. Monsieur Gary, vous comptez cramer des trucs mardi, vous? Mardi? Oui. Ouais, mardi, ouais. Ah non, mardi, nous on crame rien. Mardi, on dort, on se repose, ouais. Ah bon? Ah, c'est dommage parce que mardi, on. Mardi, c'est prière, la ville. Ouais. Ah, quel dommage. Ah, mardi, c'est prière, ouais. Ah bah, on va faire du bruit pendant vos prières. Oui. On priera, on accordera la grande déesse pour vous. Ah, c'est gentil. Ah, c'est gentil, hein. Pour les flammes. Priez pour que les flops soient plus grosses. Après, si vraiment vous êtes pas la DS mais que vous comptez quand même cramer des choses, c'est pas grave, nous on peut quand même vous aider. Ça, y a pas de soucis.